The Braise et The Rock. L'interview. Chers auditeurs, bien le bonjour ou bien le bonsoir, tout dépend à quelle heure vous prenez cette émission. Bienvenue dans De Braise et De Rock sur Braise Fox Radio. Et aujourd'hui, on a un invité hyper talentueux. En fait, c'est un groupe, hein, pour tout vous dire, représenté par Romy, chanteur du groupe. Je vous présente le groupe Féroce. Salut Romy, comment vas-tu ? Je vais bien, et toi? Ah, écoute, moi c'est la pêche, hein, depuis que je suis aux manettes de cette radio. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à faire tout ça, et puis c'est l'occasion ben, justement de prendre de tes nouvelles. Eh bien écoute, je vais te donner mes nouvelles. Vas-y, on voit. Féroce a changé un peu de concept, parce que faire de la musique avec des gens, c'est pas toujours simple. Féroce, c'est quatre personnes, c'est Greg à la guitare, c'est Johnny à la trompette, c'est Célia à la basse. Et moi-même, nous avons de temps en temps un batteur qui nous accompagne sur des grosses scènes, parce que le reste du temps, en fait, on se sépare des batteurs. On pense peut-être que les batteurs sont caractériels, parce que c'est le cinquième. Donc nous arrêtons avec les batteurs et nous partons sur un esprit peut-être plus électro. On mélange du rock, d'électro. On a sorti un EP qui est enregistré avec un batteur, un très bon batteur d'ailleurs, qui est enregistré avec un batteur, parce qu'on fait du rock, mais on va essayer de trouver une nouvelle direction, ce qui est déjà le cas, une nouvelle direction un peu plus électro, parce que le rock, des fois, c'est un peu compliqué de le faire passer partout, c'est pas toujours simple, surtout quand tu chantes en français. Ouais, je comprends bien, et puis bon, l'expérience de 5 batteurs, c'est pas top, quand même. Non. D'accord. Ben, écoute, moi, ce que je propose, c'est de faire écouter un de vos titres, sur Braise Fox Radio, donc aux auditeurs, parce que vraiment, c'est péchu comme c'est pas possible. Ben, ça fait quand même 2 ans qu'on se connaît bientôt. Hein. C'est ça, ouais, ça fait 2 ans. Ouais, 2 ans. Je me rappelle, on s'est appelé un mois d'août, je me souviens très bien. Grâce à Facebook, il faut le dire quand même. C'est ça, grâce à Facebook. Mais Facebook est un super outil à partir du moment où tu t'en sers pour travailler. Malheureusement, aujourd'hui, Facebook est aussi un étalage de vie, de vent. Ah, il y a de tout. Absolument pas intéressant. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on est. C'est ce que je dis souvent. Voilà. Ben, en attendant, ce qu'on va faire, c'est passer un titre. Allez, à tout à l'heure, à tout de suite. À tout de suite. Radio. Unidiver, le webzine des actualités culturelles à Rennes et en Bretagne. Unidiver, le magazine sans langue de bois qui tire l'information vers le haut. Unidiver, culture, art, loisirs, santé, psycho, philo, société. Unidiver sur le web, www.unidiver.fr. Pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, vous êtes donc dans l'émission de Braise et de Rock sur Braise Fox Radio. Et aujourd'hui, nous avons notre premier invité interview téléphonique. Je cite Monsieur Romy du groupe Féroce. Romy, j'ai cru comprendre qu'il y a une lumière au bout de ton long parcours musical. Ah oui, long parcours, oui, ça fait 15 ans que ça dure, donc c'est très très long. Comme tu le sais, il y a 3 ans, je plaquais mon entreprise parce que j'étais artisan, j'arrêtais tout pour la musique. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont traité de fou, qui m'ont dit que j'étais fou de faire ça parce que la musique c'est impossible d'en vivre. Ce qui est le cas, hein. Aujourd'hui j'en vis toujours absolument pas. Mais par contre, je crois au chemin, je crois vraiment au chemin, je me défonce pour ça. On commence à drainer du monde parce que nous on est plus sur Nantes comme tu le sais, et on commence à drainer un public, je dirais, de 200 personnes à chaque fois qu'on joue, donc on est vraiment content d'être suivi par tous ces gens. L'actualité, oui, parce qu'on a sorti un EP que tu as en main, je crois. On a sorti un EP avec un batteur. Voilà, comme je disais, on se dirige vers un set beaucoup plus électro et on a des super retours des gens qui nous suivent en nous disant c'est encore plus énorme comme ça parce que du rock qui mélange de l'électro avec une trompette qui chante en français, c'est très rare.
Donc tant Tout à mieux pour fait. nous. De là, c'est vrai qu'on est en discussion avec des maisons de production comme Triplet Production qui sont vraiment intéressées par ce qu'on fait. Et on devait signer chez eux en fin d'année là, mais ils ont pris le choix de prendre un autre groupe. Mais ils seront avec nous le 25 mars à la Gamelle à Nantes D'accord. pour voir notre énergie scénique, etc. Et je pense que ça le fera. De là, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de dates qui rentrent là aujourd'hui. On est plutôt content de ça. Maintenant, c'est les gens qui commencent à nous contacter et nous, on est vraiment content de ça, quoi. Ça veut dire qu'on reconnaît ce qu'on fait, quoi. Et c'est malgré que Féroce soit un groupe avec un ego humble, t'es quand même content quand t'as des retours et des sourires en face de toi. C'est pour ça Ouais, que c'est carrément. la musique, c'est le partage, quoi. Ouais. De toute façon, ça fait 2 ans que je te suis hein, sur Facebook. Hein. On s'est rencontrés sur Facebook et puis on a partagé, on a échangé depuis ces 2 ans. Moi, j'ai eu le coup de cœur pour ta musique et pour votre musique, puisque maintenant tu commences à arriver à maturité avec une couleur vraiment particulière qui est propre au groupe Féroce. Ouais, carrément. On peut dire qu'il y a une entité féroce. Ouais, c'est beau ça, une entité féroce. C'est rock, quoi. C'est Oui, rock. c'est vraiment ça. Si tu veux, les choses se sont faites un peu comme ça, parce que, comme tu le sais, il y a 3 ans, 4 ans de ça, je prenais une guitare, je ne savais absolument pas jouer, et je me suis mis à écrire des textes. La différence est peut-être que ces textes sont du vécu. C'est des choses que j'ai vécues réellement, c'est des choses que je connais parfaitement. Il y a des chansons, si tu veux, que j'ai eu beaucoup de mal à interpréter, comme une chanson qui s'appelle Batman, où je parle de mon père, une chanson très très difficile pour moi à interpréter, dans le sens où, à chaque fois que je me mettais à la chanter, j'avais une espèce de chaleur, une espèce de boule qui arrivait dans la Ouais, gorge, je connais avant de ça. pouvoir balancer ces choses. Et je pense que les gens en face le ressentent, quoi. Même si ça reste du rock, ils ressentent cette brûlure, peut-être, cette vie, quoi. Ouais, ils le ressentent et c'est bien. Non, mais vous faites partie de ces rares groupes qui ont une véritable identité, une véritable énergie, une véritable une honnêteté. Voilà. Merci en tout cas, merci beaucoup de tes mots, ça me touche beaucoup, quoi. Franchement, c'est pas merci, c'est ce que je ressens. Donc, ce serait plutôt à moi de te remercier. Parce que des personnes comme vous, c'est plutôt rare. Moi, j'invite les auditeurs à découvrir donc encore un titre de Romy et de Féroce. Hein. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes avec l'ami Romy. Allez, À à tout tout de de suite. suite. Psychosomatothérapeute certifiée et sexologue. Gaëlle intervient en psychothérapie, sexothérapie, art-thérapie et hypnose au 48 boulevard Jules Verger à Dinard. Téléphone 06 47 07 96 46. Salut Romy, salut Féroce, salut les humains, bienvenue sur BFR, donc Braze Fox Radio, dans votre émission de Braze et de Rock. Donc aujourd'hui, Romy, le groupe Féroce. Romy, parle-moi un peu de tes amis, de tes musiciens, de l'équipe qui t'entoure depuis quelque temps déjà d'ailleurs. Ouais, depuis quelque temps, bah, je dirais ma bassiste déjà, Célia. Célia qui est là depuis le départ de Féroce, qui avant ne s'appelait pas Féroce d'ailleurs, mais qui est là depuis le départ. Après, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés, beaucoup de gens qui sont sortis, parce que je suis quelqu'un qui demande beaucoup de travail aux musiciens, parce que c'est un vrai métier et il faut énormément travailler pour arriver à se faire entendre. Donc j'ai eu beaucoup de rentrées, beaucoup de sorties de musiciens. J'ai eu la chance, la vraie chance, de rencontrer un gars qui s'appelle Johnny, qui est trompettiste, parce que moi je tenais absolument à avoir un élément comme une trompette ou un sax dans ma musique. Et j'ai eu la chance de rencontrer Johnny, qui est un type formidable, qui est un humain formidable. Et Monsieur Greg, qui a suivi, le guitariste, qui a suivi pas longtemps après. Ces gens-là se connaissaient pas, en fait. Et du coup, on a réussi, à nous quatre, à créer une vraie énergie, une vraie famille, parce que la musique, c'est ça, c'est des coups de gueule. C'est pas toujours simple. Tu vis avec les gens et tu travailles avec l'humain. C'est très difficile de travailler avec l'humain. Il faut s'entendre sur Carrément, oui, tout, bien il faut faire sûr. des concessions. C'est très compliqué. Il faut que j'en fasse aussi, moi, sur ma musique. Parce qu'aujourd'hui, Féroce, c'est aussi Johnny, c'est aussi Greg, c'est aussi Célia qui sont aux manettes. Derrière, au
De là, il travaille sur les arrangements, il travaille sur l'univers, sur beaucoup de choses. Donc, ouais, Féroce, c'est vraiment ces trois gens-là et moi, bien sûr, quoi. Ouais, carrément. Les prochaines scènes, c'est où, c'est quand? Les prochaines scènes, ce sera beaucoup sur Nantes, hein, bien sûr, hein, parce que nous, on est juste à côté et puis bien Nantes, sûr. C'est quand même une ville dans bouge. Laquelle ça joue énormément. Il y a une scène nantaise, hein, de toute façon. Ouais. Ouais, on est beaucoup sur les scènes nantaises. On sera le 25 mars à la Gamelle à Orvault. On sera le 2 avril au Chat Noir. Le Chat Noir, c'est un endroit exceptionnel. C'est Claire qui le tient. Je lui fais un peu de pub parce que c'est vraiment une petite nana. Mais vas-y, te gêne pas. Une petite bout de femme qui travaille énormément et qui bosse comme une folle et qui respecte les musiciens, ce qui est très rare. Voilà, donc on sera au Chat Noir. Après, on sera sur la tournée des Francophonies. On fait toute la tournée des Francophonies, donc on sera accompagné par des gens comme Manu Dibango ou des gens comme ça qu'on va croiser. On est très content de ça, quoi. Quel vénard tu es. non, je suis pas un vénard, je suis juste un travailleur. Attends, tu vas croiser Manu Dibango. Moi, j'ai 11 ans d'Afrique derrière moi et franchement, le Manu, sous le Mako, ça, génial. C'est la folie. mais c'est vrai que je pense que la vie, c'est ça. À partir du moment où tu es sur le bon chemin, les choses se passent. Ouais. Comme je dis toujours, moi, dans la vie, je suis pas très bien dans mes baskets. Par contre, sur scène, je suis à la maison. Voilà. Après, c'est vrai que avant, j'avais une entreprise, je gagnais de l'argent, je faisais travailler des gens. Et effectivement, financièrement, j'étais à l'aise. Mais par contre, dans la vie, j'y étais pas du tout. Et depuis que je suis devenu pauvre entre guillemets artiste, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux avec la société et ce qui l'entoure, en tout cas, et les gens qui. Ouais, tu te sens toi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas toujours simple. La route est longue. Ah non, c'est pas simple. Je peux t'assurer que c'est pas simple. Je comprends. Je suis un peu dans le même itinéraire, sauf que j'ai bifurqué un peu plus sur la communication et la radio. C'est une autre façon aussi de partager. Je fais un petit peu de scène avec la Luce, ma compagne. Oui. Mais c'est occasionnel, vraiment. C'est pas en professionnel, on va dire. Hein. Oui. Mais je vois ça sur Facebook. Je partage. Je suis aussi. Hein. Voilà. Bon, on n'est pas là pour faire ma promo ni celle de Luce, hein, ça, c'est un autre débat. On va écouter encore un titre de Féroce et puis je te reprends après. Ça marche. À tout de suite. Là. Raise Folks Radio. Radio. Brezza Art Concept, développement et promotion de la créativité artistique, art, musique, communication, créativité, pédagogie, atelier chant et aide à l'écriture et composition, musique assistée par ordinateur, animations et productions musicales. Contact 06 30 12 38 74 et 09 99 80 06 64. Email brezartconcept@yahoo.fr. Amis auditeurs, bienvenue sur Breath Fox Radio dans votre émission désormais quasi culte de Bread et de Rock. Aujourd'hui, invité exceptionnel, personnage exceptionnel, groupe exceptionnel, il s'agit de Romy. Romy avec son groupe, avec le groupe Féroce. Je suis hyper content de les avoir en ligne. En plus, c'est une première, hein, c'est première interview téléphonique, ça tombe sur Romy. Donc je le remercie déjà rien que pour ça. Ça va te porter bonheur. Ouais, ça va me porter bonheur. De toute façon, c'est pas un hasard si on s'est rencontrés il y a 2 ans. Je pense pas, non. Ouais. Romy, j'ai une question. Vous avez votre propre identité. Malgré tout, je pose cette question. Quelles sont tes influences? Pas tes influences, quels sont tes goûts musicaux? Voilà. Ouais, c'est vrai, je parlerais plutôt de goûts musicaux plutôt que d'influences parce tout que, encore une fois, je sais pas jouer de guitare. Moi, je joue à l'oreille, je compose à l'oreille. C'est mes musiciens, en fait, qui m'écrivent les partitions après pour eux-mêmes parce que moi, je sais pas ce que je joue comme accord, en fait. Allez, merci à tes musiciens en tout cas. Oui, merci à eux. Mes influences, oui, donc j'en aurais pas. C'est vrai que je suis un fan de Quentin, bien évidemment. Souvent, quand je ressors de scène, les gens me disent
Tu sais, tu as la voix de quelqu'un que je connais. Je dis oui, je sais. Mano Solo, ça fait 10 ans qu'on me le répète. C'est des gens que j'aime beaucoup. J'écoute énormément de choses parce que je suis abonné aux Inrock depuis 10 ans. Donc j'écoute vraiment, vraiment beaucoup de musique, que ce soit de l'électro, que ce soit du jazz, que ce soit du rock. Voilà, j'ai pas de groupe fétiche en ce moment, peut-être mis à part Feu Chatterton. Qui donc, pardon? Feu Chatterton. D'accord. Feu Chatterton, c'est un groupe qui chante en français, qui aujourd'hui commence à avoir une grosse, grosse notoriété, qui a fait une grosse tournée sur la France. Des gens qu'on va rencontrer d'ailleurs le 20 février, parce qu'il y a des artistes qui se donnent les moyens et qui acceptent que d'autres artistes viennent les rencontrer, ce qui est très rare. C'est des gens aussi qui me répondent sur Facebook, comme Manu ex-Dolly, quoi. C'est des gens avec qui je communique, et voilà, je dirais après... Des influences, oui et non, quoi. J'écoute beaucoup de choses, mais j'essaye encore une fois, même si j'écoute des chansons anglo-saxonnes, j'essaye de privilégier encore une fois les artistes qui écrivent et chantent en français. Parce que je trouve que c'est important pour nous aujourd'hui de défendre notre langue, il n'y a pas que les Anglais qui savent faire de la pop. Nous aussi, on sait le faire, quoi. Tout à fait. Donc voilà, quoi. Exactement. Alors, juste une petite chose, t'as un message particulier à faire passer à l'antenne. Vas-y, envoie Romy, ne te gêne pas. T'es chez toi ici. Un message particulier, oui, oui et non. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la scène nantaise et dans notre département à nous, le Loire-Atlantique, on commence à drainer du monde et on commence à être connu. Je dirais pas qu'on a écumé tous les endroits de Loire-Atlantique, mais une grosse partie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on aimerait bien s'expatrier un peu dans ta région, Avel. Voilà, pour faire découvrir Féroce au vent de la Côte d'Émeraude, on serait vraiment ravis. Donc, s'il y a des programmateurs, des patrons d'endroits où on peut jouer, ils peuvent nous contacter. Si notre musique leur parle, bien évidemment, ils peuvent nous contacter via notre site. D'accord. Est-ce que tu as un numéro de téléphone à donner ou bien une adresse email pour qu'ils puissent te contacter? Ouais, ils peuvent nous contacter par le biais du site. Alors, le site, c'est www.féroce, ça s'écrit Heroce.com. Parfait. Voilà. À partir de là, de toute façon, on est tout le temps dessus, donc ils communiquent avec nous facilement et c'est pas un souci. Après, s'ils veulent un numéro de téléphone en message privé, je leur enverrai bien sûr un numéro de téléphone. Quoi. D'accord. Avec grand plaisir. Parfait. Avant d'écouter encore un titre de Romy et son groupe et du groupe Féroce, je ne veux plus dire son groupe parce que tu nous as convaincu que vous êtes une entité. Donc du groupe Féroce, Romy, la question à laquelle tu ne vas pas échapper, les vœux 2016. Alors tes vœux. Mes vœux 2016. Eh ben, ça va être simple. Je dirais moins de conflits, moins de guerres, que l'humain devienne plus partageur, que l'humain ait envie de tendre la main un peu à l'autre au lieu de rester enfermé sur son nombril. Ce serait bien. Moi qui viens d'un endroit particulier qui s'appelle les cités du 93, que ce soit Gennevilliers, Sarcelles, etc. Et ben, il s'est passé des événements assez graves dernièrement dont on a parlé largement. Et ben moi je dirais que dans ces cités-là où j'ai grandi, qui sont des endroits de non-lieu, quoi, on se filait plus de coups de main et on s'entraidait beaucoup plus que ce que je vois aujourd'hui dans la vie dans laquelle je vis, quoi. Voilà, même que ce soit tes voisins ou que ce soit le reste, aujourd'hui les gens partagent pas, aujourd'hui les gens ne se parlent plus, aujourd'hui c'est compliqué. Ouais, et j'aimerais que on nous prend pour des extraterrestres quand on tend la main, t'as remarqué ça? C'est ça. D'ailleurs, la dernière chanson, elle parle de ça. Nous, les extraterriens, très bien, avec votre extra bien. C'est ça, quoi. Elle parle de ça, la dernière chanson. C'est vrai, nous, on prend des extraterrestres aujourd'hui, quand tu vas dans la rue et tu dis bonjour à quelqu'un, ou que tu lui parles, ou que tu as envie d'aller lui parler, ben, il va avoir peur, il va se demander ce que tu lui veux. Alors que c'est juste des mots. C'est juste des mots. On est juste. Bonjour veut dire je te souhaite le bonjour, une bonne journée. C'est absolument positif quand on dit bonjour à quelqu'un. Bien sûr, mais les gens aujourd'hui préfèrent regarder leur pompe, que regarder le visage de la personne en face. Bien sûr. Et oui, c'est compliqué, donc je dirais oui, pour cette année, j'aimerais bien plus de communication, plus d'entraide et plus de chaleur entre nous, en tout cas plus d'humanité, quoi. Ça serait bien, je pense. Bah, écoute, Romy, on va se quitter sur ces mots d'humanité, justement. Et puis, je souhaite donc longue vie à ton groupe, à Féroce. Et de toute façon, j'ai absolument confiance. Je sais que c'est sans doute votre année.
2016. J'espère, j'espère. Et puis, je dirais une dernière chose aussi, mon ami Havel, longue vie à Breslau Radio. Merci à toi, Romy. Je te dis à très bientôt. Grosse bise à tes musiciens, en tout cas. Ça marche, merci beaucoup. Allez, on continue avec Féroce en musique. Salut les humains. Salut.